Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un char allemand de chez Hobbyboss. Donc, toujours O135, nous allons découvrir et monter la maquette, voir ce que vaut ce petit kit. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur ce char allemand. A priori, ça aurait été un char qui aurait été largué en mars 1944 dans les Ardennes. Donc on va voir ce que contient la boîte. Alors dans un premier temps, nous avons les chenilles. Les œillets d'attache. Les couvercles. Les roues, les carters de roues, toujours des carters, les vérins, nous avons les canons, le pot d'échappement, le mitrailleur. Donc les PVC ont l'air plutôt d'une bonne qualité. Nous avons le châssis. Donc on peut voir que c'est très bien emballé. Alors là, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Il y a de l'air dans les emballages. Et nous avons de la photo découpe. Donc j'essaierai de faire un petit arrêt sur la photo découpe pour ceux qui n'ont jamais fait. Donc c'est plutôt sympa d'ailleurs, la photo découpe. J'aime beaucoup. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai commencé à coller les roues, parce que bon, je pense que tout le monde peut coller des roues, donc c'est assez long à faire, et nous allons commencer sans perdre de temps. We'll be right back.
Alors, la photo découpe, pour ceux qui en ont jamais fait, ce sont des petites plaques de laiton, très très fines, et c'est recouvert de deux plastiques des deux côtés. Alors par exemple, là on a un exemple, je vais avoir les petites grilles d'aération. Donc comment je procède? Au final, je prends mon scalpel et je commence à venir graver plusieurs fois jusqu'à temps que la grille, par exemple, se décroche. Alors vu que c'est beaucoup plus dur que du plastique, je prends mon temps et j'hésite pas à découper le plastique autour, mais j'essaie de garder le plastique sur le reste, c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de bien maintenir notre photo découpe. Le petit coup de lime, il faut y aller très doucement parce que si les mailles de notre lime s'accrochent, on risque de tordre la photo découpe. Schöner Götter, Funken, Tochter aus Helene.
Voilà le résultat de la maquette complètement terminée. Donc on a un résultat vraiment sympa avec la photo découpe qui ressort vachement bien. Je vous invite à essayer cette marque là, Hobby Boss. Donc là je suis parti sur l'échelle 1,35. Donc il faut savoir que je n'ai pas collé les chenilles. Et que sur ce modèle là j'ai préféré coller les roues car je vais peindre l'ensemble, et puis pour le peu de roues qu'il y a, ça va pas empêcher de peindre derrière. Si je devais donner une note à cette maquette, je lui donnerais un 8/10. En fait, je pense que voilà, ce qui gâche un peu, c'est les chenilles en plastique. Ça, c'est vraiment long. Personnellement, j'adore la maquette depuis des années, mais bon, là, c'est vrai qu'on ne prend aucun plaisir à coller des maillons de chenilles un par un. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment une très belle maquette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous en savez aussi un peu plus sur ce modèle là, car c'est quand même assez compliqué, pendant la deuxième guerre mondiale il y a eu énormément de chars réalisés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like, des petits commentaires, si je peux vous répondre j'essaierai de vous répondre, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos.